Travailleurs et programmant de merde, même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là. Macron ne veut pas, nous on est là. Des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Oui, mais c'est de l'autre côté de la barrière. Vous n'êtes pas dans le même camp. On est pas dans le même camp. Voilà. C'est parti. Porte de Saint-Péret. J'ai pas vu la petite. On est nombreux. Il y a toujours des petites qui joignent. Ah, salut toi. Yeah.
nous on est là. 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 Pour des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Thank you.
revoir. Thank you.
le poussait. Thank you.
C'est les White Marks. Thank you.
demain. Thank you.
Policier. Quel est votre métier? Gaz, matraque et LBD. Policier. Quel est votre métier? Gaz, matraque et LBD. Policier. Quel est votre métier? Gaz, matraque et LBD. Policier. Quel est votre métier? Gaz, matraque et LBD. Thank you.
Clubin, acte 67 des Gilets jaunes. Là, nous avons dérivé destination, il y a un peu plus de 11 heures, à Gare du Nord. L'acte 67 est parti de Paris à Porte de Champéret vers 9 heures. Et là, vous allez voir des gens qui vont rejoindre l'île, car il y a une manifestation appel national, BTP, Gilets jaunes, tous les citoyens. Voilà, à Lille. On va commencer vers 14h30 à Lille. La gare du Nord, il y a des trains en une heure. Vous avez aussi d'autres trains qui sont moins chers, des Ouigo, donc qui étaient moins chers à Ouigo à Marne-la-Vallée, je crois, et à Roissy-Charles de Gaulle. Et après, il faut essayer aussi peut-être des Flexibus à Bercy. On est lassé. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est sûr, on est nassés. Moi, je vous dis, on est soit des vedettes, mais des terroristes. Je pense que on est des terroristes, les gilets jaunes. Les gens qui sont là. Je me demande ce qu'ils vont faire quand il y aura vraiment des terroristes. Qu'est-ce qu'ils vont amener? Ils vont amener le bazooka, peut-être, hein. Donc là, vous avez compagnie 2B, CRS. Oui, il y a des... Normalement, oui, c'est bien l'appel national, mais plus à Lille. Ah, il y en a qui vont partir à Lille. Ah, oui, oui, ça je le sais, mais c'est pour ça qu'on va partir. Donc, c'est la même action, mais... Oui, c'est... il y a dans plusieurs villes, et après d'accord. Ceux qui peuvent aller à Lille pour l'appel national. Avec le BTP. Donc c'est la même action que Sophie Tessier fait devant chez TF1. Parce que TF1 c'est le bâtiment et travaux publics aussi. Hein. Non, je pense pas. Non, que... Peut-être. Hein. C'est Bouygues. Peut-être. Quand même. Oui. Ouais, bon. C'est peut-être à cause de Bouygues. Peut-être qu'elle a fait ça avec. Oui, je pense que c'est dans le même esprit. Oui, peut-être dans le même esprit, mais bon. Bon, ben nous on est à la. Voilà, nous sommes à Gare du Nord. Hein. Gare du Nord, Eurostar vers Londres, Brexit. Mais là, peut-être qu'il va y avoir le Brexit, hein, je pense que. Hein. De l'agriculture. On va voir les animaux. Je veux voir si j'ai l'argent. Non, mais franchement, j'aime pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Gare du Nord, acte 67, les légendes. Samedi le 22 février 2020. Ça c'est une chance. C'est que le 20 février, quand le peuple algérien s'est soulevé contre le système militaire, mafio-militaire en Algérie. C'est que vous lui avez montré le chemin. Ouais. Gilets jaunes, peuple de France, vous avez ouvert le chemin, vous avez ouvert la voie au monde entier. Ouais. Sachez une chose aussi, c'est que dans le monde, jusqu'au bout, et on va montrer au monde, que la répression n'est pas une solution, n'a jamais été une solution. On voit nos cortèges encadrés par des forces de l'ordre, une armada de forces de l'ordre, de simples citoyens, des hommes, des femmes, qui ne réclament que leurs droits. On n'en veut pas aux policiers,
On en veut à ceux qui leur donnent les ordres. Parce que pendant qu'ils sont là, pendant que leur camion est là, pendant que tout leur matériel est là, le pays est laissé à l'abandon. Les chiffres de la délinquance explosent. Donc on va continuer à réclamer nos droits, notre dû. On va toujours réclamer le départ de cette oligarchie qui ne nous dirige pas, mais qui veut nous dominer. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je laisse la parole à mon camarade. Attention les amis, hein, on a qu'une seule devise, on lâche rien, on est déterminé. Et voilà, dans la première partie est terminée, on va faire la deuxième. Puis le schéma vidéo. Bravo les gars, bravo les gars. On lâche pas. On est là-haut. Ouais, ouais, c'est bien. J'ai vu un camion garé avec des bœufs qui partent à l'abattoir. Les gars, ils tombaient, c'est pas le moment. On va mettre UPR, c'est super.